en plus vieux, au point où il y a des personnes qui sont centenaires qui travaillent encore. Alors, il y a deux cas, un aux États-Unis et un en Angleterre. Cet homme, vous le voyez, c'est un Britannique, s'appelle Jim Clemens. Il a fêté son 100e anniversaire en compagnie de ses collègues, lui qui avait pris sa retraite à 66 ans. Il s'est ennuyé. Il a dit, bon, ben, il faut que je recommence à travailler. Et il a postulé un emploi et il fait du travail administratif. La photocopieuse, sert le thé aux dames. Il paraît qu'il y a une tendance à flirter, d'ailleurs, sur les lieux de travail. Il trouve que les femmes sont « lovely », comme ils disent en Angleterre. Donc, il continue de travailler et on a souligné son anniversaire dans son milieu de travail. Aux États-Unis, un homme à 100 ans également, il a fêté son 100e anniversaire en travaillant, vous le voyez là, dans un Walmart. Il travaille dans un Walmart et il a reçu le titre d'employé de l'année et du plus vieux travailleur remarquable 2012. Alors, quand on dit qu'il faudra s'adapter aux nouvelles réalités des personnes âgées, puis des nouvelles réalités du travail, ça pose donc un certain nombre de défis. Est-ce que ça vaut la peine de continuer d'être actif à ce point-là? On va en parler avec Jean-Marc Chapuis et Denise Chartré. Ah. Deux personnes âgées, si je dis ça de même, est-ce que ça vous insulte? Octogénaire et nonagénaire. Exact. Ah, c'est bien dit. Vous avez écrit un livre tous les deux? Pas sur la vieillesse comme telle, mais je l'ai écrit moi à 80. J'ai résumé mes 80 années de vie ensemble. Vous avez écrit un livre « Être jeune à 90 ans », la méthode Denise Chartré. Vous étiez venu me le présenter. Vous avez 94 ans maintenant. Faites-vous, moi, ce qui m'avait surpris, vous faisiez du feng shui, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça? Vous avez... Je fais des soins capillaires. Non, mais je veux dire, vous aviez une technique là, pour des exercices, d'exercices oui, pour rester jeune. Oui, je fais de la trampoline, puis je fais encore mes exercices en réflexologie. La réflexologie? Oui. Moi, j'ai pris un cours de réflexologie de matin sur le champ, puis je fais tous ces exercices. Puis je lis beaucoup de livres sur la santé, alors quand un livre explique des choses, comme de la technique nado, je fais un petit peu ça aussi. Mais vous faites la trampoline? Oui. C'est long. Vraiment, boum, boum, comme ça. Voilà. Oh, on a une photo. Mais vraiment, vous sautez? Oui, bien sûr. Je suis encore capable de sauter. Vous avez déjà fait mal? À 94 ans, quand même. Oui, mais j'ai pas mal nulle part. Et puis, je suis ça. Alors, je vois pas pourquoi je ferais pas ça. Jean-Marc, faites-vous de la trampoline? Pas de la trampoline, non. Il faut dire du trampoline. Non, avec ma hanche un peu qui m'arrache un peu. Une des choses qui est importante de réaliser, c'est quand tu vieillis, il faut s'adapter à la vieillesse. Il faut faire des choses au rythme que le corps, que la tête, que tu fonctionnes. Le problème, c'est pas de penser que tu le faisais à 18 ans. C'est évident que Mme Chartre, à 18 ans, faisait des choses qu'elle ne fait plus à 94. Elle fait des choses à 94 qu'elle faisait peut-être à 18 ans, beaucoup moins bien. Elle fait plus. Elle les fait plus minutieusement, avec plus d'attention. C'est donc une question d'adaptation. Ouais, une chose à laquelle je ne pense jamais, c'est à mon âge, au nombre d'années que j'ai. Je ne pense pas à ça. Non. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ce que je pense, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de développer mon énergie pour être capable de vivre normalement. Et vous avez une série de techniques dans le livre. Oui, exactement. Je me souviens, vous tapez ici, je ne sais pas quoi, là, pour faire circuler les fluides. Il y a même des points sur la tête. Hein, qu'ici, on débloque, mon Dieu, ça fait bien énorme. Et donc, vous êtes une New Age, c'est-à-dire que vous lisez tout ce qu'il y a de nouveau comme tendance que vous suivez. Oui, je lis beaucoup de livres sur la santé. Ça m'intéresse beaucoup la santé parce que j'aime ça être en forme. Hein. Et puis, je suis encore capable de marcher plusieurs kilomètres. Puis ça me donne... Vous, Jean-Marc, faites-vous de l'exercice? Je marche. Je fais de la marche. Ouais. J'ai fait le maximum de marches possible. J'aime beaucoup marcher. Chez nous, c'est un peu difficile l'hiver, mais je me trouve des coins. Mais je fais attention à la glace. Quand il y a trop de glace, là, c'est un peu créatif. Mais là, vous vieillissez, vous êtes actifs tous les deux, mais on parle de deux centenaires qui travaillent encore, qui ont pris leur retraite, qui ont décidé de retourner travailler, trouver ça plate. Or, aujourd'hui, on était des gens encore actifs, on parlait de ça. Tout le monde disait, je comprends pas, parce que les gens ont plus hâte d'arrêter, puis on va se la couler tout à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose qu'on apprend peut-être à vieillir, peut-être que Mme Chartré peut me taquiner là-dessus, me pousser un peu là-dessus. Mais il y a une chose qu'on apprend, c'est qu'en vieillissant, la chose la plus importante dans une vie humaine, c'est d'être utile.
Et quand non, est-ce qu'il faut nécessairement aller au travail pour être utile? Ben, pas nécessairement être utile dans le sens que tu aides quelqu'un, que tu fais partie d'une équipe. Si tu regardes ces deux personnes-là de 100 ans, il y en a un aux États-Unis, on le sait, il est un associé chez Walmart, c'est comme ça qu'ils appellent, à 100 ans. Mais tous les matins, quand il se lève, ben, tu as remarqué comment il s'adapte? Il y a une canne, une boîte. Ouais. Mais il le fait quand même, il travaille quand même. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a une certaine utilité. La pire chose qui peut arriver, ou du moins à moi, qui pourrait m'arriver, c'est de me sentir inutile. Se sentir inutile ou inoccupé, parce que... C'est pas question d'occuper. Non, parce que tu peux être occupé à jouer au bingo. Ouais. Mais tu me sens qu'un certain âge... Vous en pensez, Mme Chartres? Ouais, c'est parce qu'on est occupé ou c'est parce qu'on est utile? C'est que c'est normal pour une personne d'être utile. On est sur la Terre pour être utile aux gens. Alors, quand on n'est pas utile, ben, il nous manque quelque chose qu'on aimerait apporter chez les gens, donner, et puis qu'on ne le fait pas. Ça, c'est très, très déprimant. Oui. Tandis que quand on peut être utile aux gens, ben, mon Dieu, c'est normal, on est fait pour ça. Mais oui. Et ça, pour moi, c'est... Je veux dire, Denis, quand quelqu'un m'appelle comme après-midi, quelqu'un m'appelle, j'ai une conférence, etc., ma femme m'a dit, t'allumes. Et c'est plus fort que moi. Elle a fait quelque chose. Il ne m'a pas dit que je fais rien à la maison. Je travaille, je dis, j'écris, je fais un tas de choses. Mais ça m'allume au possible. Parce qu'à chaque fois maintenant que je commence une conférence, merci de m'inviter. Vous me dites que je suis encore utile. Mais est-ce que vous êtes conscient que ces deux messieurs-là, vous-même, tous les deux, vous êtes des exceptions? Parce qu'il y a des gens non, je pense à 80 ans qui commencent à avoir mal ici, puis j'ai mal là, puis je peux plus, puis je vais chez le médecin, mais, puis... Mais je vais en dire à Mme Chartres, je suis certain, on a des petits malaises. C'est évident qu'il y a des matins... Tu sais, j'écoutais l'autre fois un joueur de football qui disait pourquoi il jouait qu'une partie par semaine. C'est parce que ça prend une semaine pour se remettre des coups qu'ils ont mangés. Ben, il s'adapte, c'est-à-dire, il joue à partir, parce que le lundi, je le sais que je vais être cassé, ça va me faire mal, le mardi, moins, le mercredi, puis le mercredi, je pratique, puis ça revient. Ben, t'as exactement ça, quand tu lèves le matin, ça se peut que t'aies des rhumatismes, les jours. OK, vous mal partout quand vous levez le matin? Pas du tout. Ben, vous, c'est vos exercices, oui. Oui, puis j'ai bien mangé. Si j'avais pas une nourriture bien équilibrée, c'est sûr que j'aurais mal partout, mais je mange bien. Et puis, je fais mes exercices une fois par jour. Ça me prend une heure de faire mes exercices. Une heure? Oui. Donc, les exercices dont vous me parlez de relaxation, vous tapotez la technique Nadeau, là, se tourner. Puis faire circuler l'énergie, puis pratiquer la respiration profonde, les exercices oculaires. Alors, j'ai pas mal aux yeux, mais j'ai pas mal nulle part. Et c'est quoi les exercices oculaires que vous faites? On envoie nos yeux aussi loin qu'on est capable sans du tout bouger notre tête. Qu'est-ce que c'est supposé de faire? Là, ça va... Vous commencez au plafond en haut, vous descendez jusqu'au bout. Pas donner mal au cœur. Personne ne m'a donné mal au cœur. Mais vous avez le foie peut-être affecté. Oh, c'est mon foie! Oh. C'est long, normalement, moi. Ça va se bouger. Mal au cœur? Non. Alors, mais il se brosse la tête. Mais donc, il faut prendre soin de soi. Oui. Exactement. Mais ça ne commence pas à 88. Prendre soin de soi, c'est la chose la plus précieuse de la vie. C'est ça. Ça nous habitue, ça nous permet de bien vivre. Mais le problème de ceux qui, à mon sens, à moi, font des moins belles retraites puis ont de la difficulté en vieillissant, c'est ceux qui sont, je dirais, prostrés, donc qui pensent beaucoup à eux. Il y a comme une limite, tu penses à toi, mais si on pense trop, on en voit. Le fait, est-ce que tu dis, c'est le fait d'être utile, c'est ça, et tu rends service à l'autre. Ouais. Tu sais, un bénévole dans un hôpital, j'ai rencontré un bénévole dans un hôpital à Montréal, il veut jamais ses vacances. Ça fait des années qu'il n'a pas de vacances, parce que deux fois par semaine, dans l'hôpital, il faut qu'il aille faire la loto. Il vend ses billets de loto. Qu'est-ce qu'ils vont faire les malades s'il n'est pas là? Ils ne pourront pas prendre la loto cette semaine. D'un coup, ils gagneraient. Ils se sentent responsables au possible. Il est tout de suite. Il fait sourire. Tout le monde le connaît. Il se promène dans sa petite douleur. Il fait ça gratuitement. Il n'y a pas question d'argent. Il n'est pas payé pour ça. Mais, mon Dieu, il y a quelque chose. Les gens qui reçoivent les gens dans les hôpitaux, qui servent dans les boutiques de souvenirs des hôpitaux, c'est tous des bénévoles. OK, donc, c'est être actif, mais servir à quelque chose. Si vous voulez, pour faire une pause, on poursuit cette réflexion-là avec ces deux messieurs qui fêtent leur 100e anniversaire en travaillant, notamment un chez Walmart. Être le fil conducteur.
quand on est tout seul, c'est difficile de sortir de sa coquille. Ça peut être des conjoints, ça peut être des amis, ça peut être des gens autour. Moi, j'ai des amis avec qui je suis allé au collège. À 12 ans, j'ai rencontré des petits gars dans un collège. Thank you.